Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de Shopkins et je vais ouvrir un pack de 12 de la saison 6 aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo précédente, je la mettrai ici en fiche et dans la barre de description et je vous conseille de la voir avant parce que je vais montrer ce que j'ai eu dans les dernières vidéos sur la liste. Et donc voilà le pack. Donc il y en a un que je n'ai pas là en visible. De toute façon, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, il m'en manque plus beaucoup du tout. Je crois qu'il m'en manque 11 maintenant. Voilà, le pack derrière, c'est toujours pareil. Du coup, je vais l'ouvrir et je reviens. Est sorti. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais c'est toujours un pack de chez Stokomani hein, qui était à 3,99 toujours. Voilà le premier, donc de la sauce soja. Voilà son QR code. Alors, où est-ce qu'il par ici. Ah, là. C'est Sogette. Et c'est un classique. Ensuite, on a le sucre glace. Sachet de sucre glace. Voilà le QR code. Et je le vois, il est là. Donc c'est sucre glace et c'est un rare. Le fromage avec le QR code qui a l'air un peu bizarre, peut-être qu'il mange pas celui-là, je ne sais pas. Alors, donc c'est Fromagie et c'est un classique. Ensuite, on a une bouteille de lait. Voilà son QR code. Et c'est les bons. Et c'est un classique aussi. On a les cookies. J'ai trop mignon les cookies. Un petit problème de peinture là, par contre. Petit problème au niveau de l'œil. Voilà le QR code derrière. Voilà les cookies. C'est Coquine. Et c'est un classique. Il me semble que c'est les tartines, ouais. Pain. Le QR code. La mise au point. Voilà. Où est-il? De l'autre côté. C'est Toasty et c'est un rare. Ça, je crois que c'est le riz.
le QR code. Bien, ça c'est risotti et c'est un classique. Ensuite on a les fraises. Le QR code. Et il est... Où est-ce qu'il est? C'est pas possible, je le trouve pas. Où est-ce qu'il est? Là. Ah oui, il n'y a qu'une fois. Donc c'est fraisette. Et c'est un classique. Et ensuite, le dernier que j'ai, invisible, c'est la glace au chocolat. Avec son QR code en dessous. J'ai mal à les trouver aussi aujourd'hui là. Voilà. C'est Chocoletta. Et c'est un classique. Ensuite, le dernier visible, c'est celui-là. Voilà, son QR code. Et c'est donc le basilic, c'est Basilico, et c'est une édition spéciale. Et voyons voir du coup ce qui change de couleur. Alors, est-ce que c'est le sachet? Alors, oui, c'est bien le sachet, mais alors, c'est... On va pas beaucoup le voir. J'ai de nouveau les mains pas très très chaudes, et du coup, ça va être difficile. Ah, là, si, on voit un peu, mise au point qui peut bien se faire, il fait froid, et du coup, il... Ah, il redevient... de le mettre au chaud dans le creux de ma main. Je fais la mise au point quand même dessus. Voilà, là, vous le voyez. Il devient plus clair. Mais oui, c'est difficile avec mes mains qui sont assez froides. Et du coup, voyons voir les deux cachés. Caché, je l'ai déjà vu à travers, que je l'ai malheureusement, c'est la crème caramel, ou pas la crème caramel, c'est la sauce au caramel plutôt. Voilà le QR code. Donc, alors, la sauce au caramel. Pas ici. Hop. Là, c'est Caramella et c'est un rare. Et ah oui, là, il y avait là, le petit truc de recette qui est le ice cream sandwich. Le deuxième. Parce que le livre de recette est derrière, ou la carte de recette. D'habitude, c'est devant. Donc, on a Cupcake Princess. En carte de recette, il ne manque que le muffin. Ouais, on va voir ce dernier Shopkins. Ah ! Ouais ! C'en est un nouveau.
Donc c'est un produit fini. C'est un tas de coffres. Bien brillants. Avec, on dirait, des baies dessus, mais je sais pas quoi. Peut-être des framboises. Voilà son QR code. Et donc, c'est ici. Ouais, c'est bien des framboises. Donc, gaufres et framboises. Donc, c'est Gaufretta. Et c'est un ultra rare. Ouais, bonne vidéo parce qu'on a eu de nouveau. Je suis contente. Alors, lequel c'est mon préféré? L'effet aujourd'hui, il est pas terrible du. En tout cas, moi, je le vois pas bien, sûrement à cause de mes mains. Du coup, je vais dire les gaufres parce que j'adore les gaufres. Il est mignon quand même, en train de rigoler comme ça. Il a l'air très heureux. Tas de gaufres. Dites-moi en commentaire lequel ou lesquels vous préférez, parce que je suis toujours curieuse de savoir. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker la vidéo. Et si vous êtes au courant dès la sortie des futures vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur Twitter @Tiziriac. Et on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. À mercredi!